laisser faire est rien que pour se laisser faire. C'est normal. Parce que laisser faire, c'est laisse-moi faire rien que se faire. Aujourd'hui, tout simple, j'ai vu SFR fermer. Je croyais que c'était juste fermer les portes. Eh ben non, ils étaient en travaux. Tout simplement, ils étaient en travaux, comme les petits qui écrivent les travaux. Voilà. Eh ben les travaux, ben les travaux, ben qu'est-ce que tu veux. Je ne sais pas comment ils peuvent gagner du fric en volant les clients. C'est tout ce qu'ils savent faire. Voilà. C'est comme ces cinglés qui téléphonent aux gens. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, les faux jing-jong? Voilà. Bon allez, je vais vous laisser, laisse-moi faire, hein, je vais vous laisser. Je vais parler tout à l'heure des petits canards comme vous, que vous êtes des... Comme vous aimez regarder que vos conneries, donc vous aurez jamais vos conneries. C'est pour ça que je m'en fous de vos conneries. Voilà, aujourd'hui je suis pas loin de la collégiale, je change un peu. Tout simplement. Il y en a, toi là, t'as encore un qui sait conduire. Bon allez, salut, bye bye. Et oui, voilà. Alors là, je suis tout simplement à l'église, dans le parking de l'église. Oui. Et là-bas, je vais vous montrer, je vais vous présenter tout simplement que là, normalement, c'était la place des pendaisons. Alors, certains qui méritent la pendaison, il y en a pas mal dans le site, hein. Sur ma chaîne YouTube, certains qui écrivent des cochonneries, eh ben, ils méritent la pendaison. Genre pendaison ici, là, on mettait le truc pour se pendre et après, voilà. Alors là, c'est une boutique de librairie, tout sur la religion. Mais ici, c'est pour les pendaisons. Il faut les tuer, ceux-là, parce qu'ils méritent d'être tués. Alors pour l'instant, moi je suis où? Je suis là, tranquille, tout. Alors je suis exactement à l'Hôtel Dieu. Là c'est pour garer les bicyclettes. Genre les bicyclettes des imbéciles à deux balles. Je précise bien, les imbéciles à deux balles. Ceux qui doivent être pendus, ben, ils doivent être là. Leurs vélos sont là, on les mettra pendus toute la journée. Qui klaxonne. Encore un qui klaxonne, et ouais. Je suis tranquille. Il y a des imbéciles qui ne valent rien. Et ils adorent trop le boucan. Et je peux vous garantir qu'il y en a des cons. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Les piquenots et les piquenots. Que des piquenots. Moi, je peux vous garantir que les piquenots méritent un coup de poing à la gueule, là. Voilà. Et cela, quand je parle de cela, je parle bien de ceux qui écrivent des cochonneries. Ils sont pédophiles, ceux-là. Et on les sait pourquoi. Parce qu'ils sont pédos et fifiles. Pourquoi vous en dites pédophiles? Parce qu'ils sont des pédos et fifiles. Alors, il faut le mettre dans la pendaison, les pédophiles. Oh, superbe. Moi, j'aime bien. Regardez, eh ben, j'ai une bonne nouvelle, une bonne, très bonne nouvelle pour certains. Oui, il y aura la soirée le samedi 23 juin, la fête de la musique dans le quartier, bien sûr. Et oui, elle sera diffusée sur 3xW Bonne d'imbécile. Et pour qui je parle? Je parle pour certains qui sont intelligents. Et oui, et oui, et oui. Alors maintenant, les pédophiles, on va vous tuer un par un. Ceux-là qui se prennent pour des pédophiles, ils sont pédophiles. Vous savez pourquoi vous êtes des pédophiles? Parce qu'on le sait bien. C'est ceux qui parlent, qui sont
Pédo. Voilà, aujourd'hui, Tony, il est là, tranquille, en train de rigoler un peu. De foutre votre gueule. Pour une fois que je fous de votre gueule. Ouais. Parce que c'est pas la peine de faire des coups de gueule. Les coups de gueule, vous les aimez. Et vous aimez pas. Et ça me fait rire. Ça me fait rire. Bon, allez, peut-être à tout à l'heure, je vais rajouter une petite couche de culotte à vous. Bye bye. Me revoilà. Bon, je vous avais dit que je ferais une autre petite vidéo. Et là, je vais vous dire tout simplement que vous aimez faire je ne sais pas quoi aux gens, dire des bêtises, écrire n'importe quoi. Mais bref, moi j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une très bonne nouvelle. Vous pourrez plus suivre. Parce que je vais arrêter définitivement YouTube. Parce que j'aurai plus le temps. Je vais travailler demain. À partir de demain, j'ai un petit boulot qu'on appelle ça faire du coton dans ton cul de Castorama. Ah, vous aimez les conneries? Eh ben moi je vais raconter des conneries pour vous. Vous ne saurez jamais rien sur moi. Parce qu'à chaque fois qu'on vous dit quelque chose, c'est faux. Quand on vous dit quelque chose, c'est faux. Quand on vous dit quelque chose, c'est faux. C'est toujours faux. Par contre, ma caméra, il faudra que je la nettoie un peu parce que mon écran tactile, il a un petit souci. Il n'aime pas les Patrick Tricot, les faux profils. Voilà. Vous avez contaminé mon caméscope. Voilà. Alors là, je suis au parc de Notre-Dame, hein, tout simplement, qui est la cathédrale, la cousine de celle de Paname, à vélo, Paname, Paname, Paname. Et en même temps, ça me fait rire, vos conneries, ils font plutôt rire qu'autre chose. Vous êtes des personnes qui n'est pas correctes, qui ne seront jamais correctes dans votre vie actuelle. Maintenant, vous êtes intellectuel de quoi? Je ne sais pas. Pour moi, vous n'êtes pas un télo, hein. Je suis désolé. Hein. Quelqu'un qui est intellectuel aura dit tout simplement les choses qu'il faut éviter de dire. Quand vous dites que pédophile à quelqu'un et vous en êtes un, c'est bon, pour moi, vous êtes pédophile. Ça, sûr. Ouais, je le confirme. Ouais, je le confirme. Très. Bon, c'était juste cette petite vidéo. La prochaine aura une vidéo qui sera bien. Il se rappellera l'emmerdeur d'enfoiré. Bon, allez, bye bye. Allez, à plus. Prenez soin de vous pour ceux-là qui sont corrects et ceux-là. Salut, salut. Là, je vais parler de ce que je pense de certaines personnes. Ah, les personnes qui m'écrivent des messages bizarres. Qui me téléphone, des choses comme ça. Là. Vous avez des surprises, vous, hein? Ça ne sert à rien d'aller à l'école pour vous, parce que tout ce que vous savez, c'est harceler les gens. Ouais, l'harcèlement. Donc, voilà. Bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire tout simplement que vous, il faut cesser d'écrire, de marcher, des messages bidons qui servent tristement à rien parce que vous ne valez que dalle, vous ne valez que rien, donc c'est un peu logique, c'est normal. Faites croire que vous valez quelque chose, mais bon, voilà, comme l'autre là, bon, pédophile, ouais, je sais pas pourquoi, mais bon, on se demande si ils savent ce que ça veut dire tout ça. L'autre avec son coup de téléphone, hein. Bidon aussi. Il y en a plein comme ça, hein. Il y a plein de trucs comme ça. Et ben vous savez, hein, je ne vais pas vous la faire montrer, cette petite application. Moi je trouve que cette application elle est très bien pour bloquer les gens. Surtout les gens de petits merdeux comme vous.
un petit dommage, mais bon, un petit dommage. Mais bon, on va continuer à un moment comme ça, parce que vous êtes des nuls. Et Salmon, moi je vous réponds avec une petite vidéo en disant tout simplement que ça fait depuis 2015 que c'est comme ça. Depuis 2015, vous harcelez les gens. Depuis 2015, que vous faites que ces genres de conneries de vidéos qui servent justement à rien. Et tout simplement. Donc après, vous faites croire que vous savez mieux quelque chose que les autres. Et en réalité, vous savez rien du tout. Bref. Donc tout simple. Alors moi, pour votre information, je m'en contrefiche de vous. Tout simplement, je vous réponds à cette petite dernière petite vidéo. À cette petite vidéo, pas cette dernière, mais cette petite vidéo, vos agréments bidons. J'espère que vous avez vu vos commentaires ridicules sur la vidéo qui vient de passer tout à l'heure. J'ai fait un petit genre de direct. Petit direct, comme je dirais, a montré que vous êtes que des nanes. Tout simplement, l'autre qui s'appelle KKKKK, ridicule. L'autre qui s'appelle je ne sais quoi, qui prend des photos d'autres personnes pour faire croire je suis pédophile. Vous savez, tout ça, ça peut retourner contre vous. Hein. Et vous savez, ça m'a fait étonner, un peu étonné, parce que les gens comme vous, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Bref, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez? Donc évitez d'écrire n'importe quoi, et pédophilie, pédophilie, blablabla. Parce que le problème, c'est que vous valez tristement que dalle, tout simplement. Bref, c'est pas grave, c'est une petite vidéo comme ça, pour vous faire montrer que, pour faire bien dire que vous êtes ce que je pense depuis le début. Des personnes qui n'ont pas une intelligence intellectuelle, parce que vous savez que dire des sottises. Moi, je les sors de sottises. Hein. Je sors toutes vos sottises. Bref, si tout le monde pouvait aller en prison, ce serait bien. Hein, parce que je crois que la France, elle sera un peu nettoyée, peut-être. Mais bon. Bon, allez. J'aime bien m'amuser avec des bouts, avec des fous comme vous, parce qu'on s'amuse un peu. Hein. Enfin, on s'amuse bien. Hein. Ça montre votre intelligence quand vous écrivez. Vous savez tellement bien écrire qu'en réalité, vous savez écrire en grossièreté, tout ça. Je souhaite que vous arrive une belle surprise de vous faire bien griller la gueule. Bref, comment dire, eh ben c'est juste cette petite vidéo que je fais. La prochaine fois, il y aura peut-être autre chose. Ouais, les présentations. Et donc, pour les fêtes de la musique, bah, oui, elle sera au lieu. Elle va être lieu, parce que j'ai quelqu'un à m'amuser à foutre de sa gueule. Oui, elle sera lieu, elle va être organisée le samedi 23. Et on va le faire tranquillement. Donc, ça va être superbe. Et on va bien s'amuser. Alors, en même temps, qu'est-ce que vous avez appelé Nono pour soi-disant... Bref, hein. Et bon, Nono aussi il est bête, hein. Et Tebel n'avait pas compris que c'était un numéro du web, hein. Un numéro stupide encore. Et moi là-dessus, je le montre. Allez, si vous n'inquiétez pas, la soirée sera toujours lieu. Et moi j'aime bien cette soirée parce que ça va faire motiver certaines personnes dans leur cerveau. Voilà, allez, amusez-vous bien les petits Google là. Des vrais Google. Vrai, vrai Google. Allez, bye bye.